On pouvait l'embrasser? Ah bah oui, vous en pouvez. C'est nous, c'est nous qui la faisons sortir pour qu'elle profite aussi. C'est gentil, merci. Alors là, c'est la guerre chez Gabin, c'est la guerre là. Tout le monde va embrasser Mémé. Attention Gabin, là ça rigole plus, hein. Attention, hein. Alors là, il y a plein de fans, hein. Je vous dis pas, hein. Je quête Borg. Allez-y, allez-y, allez-y. Relienne. Mais c'est la grand-mère de tout le monde, c'est ça le problème. Bah, c'est ça le problème. Non, c'est pas le problème, au contraire. Non, parce que tout enlève. Quand la Torah y en a une, elle a dit, allez, vous avez soigné mon fils. Alors, imaginez-vous, je suis chez Gabin, et puis je rencontre tout le monde, qui me dit, ah, la voilà, la femme à la rose, Et qui je vois tout à l'heure, il était assis devant moi. Donc, il était en train de manger, le pauvre. Il est deux dans les yeux. Tu vois pas, c'est un schéma. Alors, c'est quoi votre prénom? Algérien. Maxime? Ah, mon père, il s'appelle Max Chemla. Ouais. Je vous admire, je vous vois tout le temps. Pour tout, je vous suis. Mon fils a gagné. C'est gentil. Bonne continuation. Amen. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors lui, il s'appelle donc Maxime Chemla. Par hasard, il est assis juste à côté de nous en train de manger. Et comme il voit que tout le monde embrasse maman, Mémé Odette donc, et ben il dit, moi aussi je m'appelle Chemla. Et du coup, c'est un fan. Voilà. Maxime Chemla, professeur des écoles. On vous embrasse. Il a la peur, hein. Ah là là, Mémé Odette. Elle a la... Alors voici encore une fan qui adore Mémé Odette et elle va envoyer une belle photo à son cousin. Elle est et espérons son mariage. Voilà, un beau mariage avec un bon khatan, Bezrat Hashem. Voilà, une grande fan.